Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour les petites astuces énergétiques du quotidien. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous des astuces toutes simples pour profiter de la nature, pour vous libérer des tensions, vous nettoyer énergétiquement et vous ressourcer. Après une semaine de travail et d'un quotidien bien rempli, vous avez mérité une pause relaxante et rien de mieux que la nature pour vous aider à vous détendre et à vous recharger. Certaines personnes le font quotidiennement et en retirent de très grands bienfaits. Alors, comme première astuce, je vous propose un exercice concret et très simple. Lorsque nous sommes dans la nature, nous sommes énergétiquement chez nous. Notre champ magnétique personnel rentre en résonance avec celui de la Terre sans intermédiaire et la connexion est directe. Alors pour cet exercice, commencez debout avec vos pieds bien ancrés dans un sol naturel en vous focalisant sur votre respiration. Prenez conscience de faire partie de la Terre en disant tout simplement « Je fais partie de la Terre, je fais partie d'un tout ». Maintenant, mettez également vos mains en contact avec le sol et si la position est inconfortable, mettez-vous simplement à quatre pattes. Respirez en bombant le dos et expirez en relâchant. Sur chaque expiration, visualisez vos tensions, vos émotions négatives et toute forme de pollution énergétique sous une forme de mélasse noire et gluante s'évacuer le long de vos bras et de vos jambes jusque dans la terre. Alors cette mélasse représente tout simplement ce qui doit être nettoyé. Imaginez-la bien, une fois dans la terre, se transformer en un élément positif et nutritif pour la nature, comme par exemple des fleurs, des pierres précieuses ou de la lumière. Et une fois les tensions évacuées, respirez et visualisez l'énergie de la terre sous une forme qui vous convient. Alors pour ma part, je l'imagine souvent comme un fluide ou une sève verte. Hein ? Et prenez le temps de ressentir la force vitale de la terre remonter et parcourir votre corps. Attardez-vous simplement sur les sensations physiques de bien-être que vous pouvez ressentir. Relevez-vous, savourez ce nouveau centrage autant de temps que vous le voulez et pensez à remercier la Terre-Mère. Comme deuxième astuce, nous utiliserons la demande ou prière. Cette fois-ci, ce sera directement auprès de la Terre-Mère ou pour ceux qui y croient aux élémentaux, gardiens de la nature et de la santé de la planète. L'idéal est de faire une demande en mouvement et donc de marcher, de secouer vos bras ou de taper vos pieds sur le sol car vous sentirez les effets de votre demande arriver petit à petit. Voici les différentes demandes que vous pouvez faire. Terre-mère, merci de m'accueillir. Merci de nettoyer en profondeur mon corps physique et tous mes corps subtils, de toutes les pollutions, de tout ordre et de toutes les tensions. Alors prenez le temps de ressentir toutes les sensations dans votre corps au fur et à mesure de votre marche. L'essentiel est de bien nommer toutes les pollutions que vous souhaitez évacuer. Plus vous êtes précis dans vos demandes et plus elles seront efficaces. Vous pouvez également demander ceci. Terre-mère, merci de vider, de faire le vide dans ma tête et dans mon corps afin que l'oxygène y circule librement. Respirez alors profondément avec fluidité, bâillez, fermez régulièrement les yeux pour ressentir l'oxygénation de votre corps et de votre cerveau. Et voilà, les astuces pour profiter de la nature sont bien entendu infinies. Et maintenant, vous en connaissez au moins deux. Je vous souhaite une bonne journée. On se dit à très bientôt pour de prochaines petites astuces énergétiques afin d'améliorer votre quotidien. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la et faites-moi vos retours. Moi, je vous dis à très vite. Au revoir.